Bonjour, vous avez été plus de 7500 à suivre les vidéos live de Mieux traverser le deuil avec Christophe Auret entre autres comme invité. Et pour cet été, on a décidé de vous sélectionner les moments les plus forts qu'on a vécu, qui parlent du deuil, de la perte d'un proche, mais un maximum de personnes, que ce soit un enfant qu'on a perdu, notre compagnon, notre compagne, un parent, un collègue de travail, des amis, que vous soyez endeuillé ou que vous soyez accompagnant, aidant. L'idée, c'est vraiment de vous offrir des clés, des chemins de deuil que vous pouvez emprunter et qui puissent vous faire du bien, vous amener de l'apaisement. Alors, on espère que ces vidéos pourront vraiment vous inspirer et on vous souhaite un bon visionnage. Le deuil, c'est une blessure psychique, une blessure sociale, une blessure émotionnelle et une blessure physique. On a dit plein de fois ici, le corps est très impacté par le vécu du deuil. Imaginez par exemple, vous avez accompagné un proche, dans une maladie grave. Il y a peut-être eu son cancer, ça fait peut-être des mois ou des années que vous êtes à son chevet pour accompagner cette personne. Rien que ça, on sait que l'accompagnement d'une personne malade et éventuellement de sa fin de vie, c'est épuisant. Et vous arrivez à son décès déjà épuisé dans un processus qui va lui aussi durer beaucoup de temps et consommer beaucoup d'énergie psychique. Donc, il est incontournable que le deuil génère de l'épuisement. Comme je l'ai dit à plusieurs fois ici, au début, moi, je pensais dans mes jeunes années que le deuil, c'était d'abord la souffrance psychique. En fait, le deuil, c'est d'abord de l'épuisement au quotidien pendant longtemps. D'accord ? On n'en parle pas souvent. Oui, vraiment. Cet épuisement pendant longtemps, il souligne encore et encore et encore combien une attention au corps est un allié décisif pour le vécu du deuil. Ça veut dire quoi ? Essayer du mieux possible de dormir par tous les moyens qu'on peut, médicamenteux ou pas médicamenteux, mais trouver de se reposer. C'est un marathon, il faut se reposer. Une alimentation de la meilleure qualité possible. De l'exercice physique. Je le répète en boucle, c'est un atout considérable. Okay. Pas du jogging, mais de la marche ou du jogging si on veut, peut-être du yoga, du pilates, du vélo d'appartement, une marche avec... Même si vous n'avez pas envie, et on n'a pas envie, faites-le. Parce que vous mettez votre corps en mouvement, et en mettant votre corps en mouvement, vous générez des endorphines. Et les endorphines, c'est l'équivalent de la morphine qui a un effet apaisant pour le corps. Plus un corps est douloureux, moins on a envie de le bouger. Or, plus un corps est douloureux, par exemple dans une situation de deuil, plus il va de plus en plus douloureux, moins on le bouge. Un corps, il s'use si on ne s'en sert pas. Un corps est en bonne santé si on l'use, si on le fait bouger, c'est en mouvement. Donc, c'est votre allié, c'est un énorme allié de faire un minimum d'exercice physique et aussi de tout ce qui est lié au corps par les massages. Vous savez, des fois, on n'est plus touché. Son compagnon ou sa compagne décède, il n'y a plus personne qui nous touche. On n'est plus serré dans les bras, non, plus maintenant, quoi. On n'est plus touché. Donc, ça peut être des massages, ça peut être du reiki, ça peut être de la fascia, ça peut être bouger ou faire du qigong, faire du tai chi, bouger le corps, faire circuler les énergies, de l'acupuncture, de la réflexologie, de l'auriculothérapie, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent vraiment être des soins pour le corps, apaiser l'esprit aussi avec des huiles essentielles, de lavande ou autre. Un gros focus sur le corps, c'est vraiment un des meilleurs alliés pour contrecarrer cet épuisement. Et c'est un effort sur la durée. Parce qu'en plus, ça peut vous aider à créer des routines, c'est-à-dire vous faites l'habitude contre vents et marées
deux à trois fois par semaine de faire une activité physique. Au début, c'est d'une contrainte absolue, vous n'avez pas envie, mais après, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, que ça devient un rituel, que ça devient un temps pour vous, que ça devient quelque chose qui est finalement bénéfique. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le fatigue, quand on fait le deuil? Bien, effectivement, la marche, la nature, la méditation, c'est ces choses-là qui vont aider. La lecture, lire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de lire, parce qu'il y a l'épuisement physique, mais il y a l'épuisement psychique aussi. La musique, la nature. La nature est vraiment notre meilleur allié. Lire des livres, des livres à tonalité spirituelle. Je sais pas, moi, j'adore Eckhart Tolle, hein, le pouvoir de l'instant présent. C'est un vrai maître pour moi. C'est, je vous assure que cet homme-là, Eckhart Tolle, peut-être que vous connaissez cet homme-là, le pouvoir de l'instant présent. Vous savez que j'ai passé quelques temps dans un monastère bouddhiste tibétain et j'ai eu la chance d'avoir les enseignements de grands maîtres tibétains qui étaient contemporains, qui venaient à Dakpo et qu'on a été voir en Inde. Eh bien, certains de leurs enseignements, j'ai pu seulement les comprendre en lisant Eckhart Tolle. Parce qu'Eckhart Tolle, il a un langage occidental qui m'a permis de comprendre certains enseignements de maîtres tibétains dont le langage était un petit peu trop hermétique pour un occidental et que c'est vraiment d'une aide considérable. Moi, c'est vraiment un homme qui par ses livres et puis ses conférences sur YouTube, en anglais c'est mieux parce que les traductions sont pas toujours terribles, mais c'est vraiment quelque chose de très bénéfique et peut aussi aider à amener cette dimension spirituelle dans laquelle on est très très souvent invité quand on se confronte à la mort, à la vie, à l'idée de la continuité de la conscience après la mort et tout. Donc tout ça se met dans l'épuisement physique et psychique. Alors c'est une question de Valérie, merci d'avoir posé Valérie. Alors Valérie, elle a perdu son petit frère il y a un an d'un suicide. C'était très difficile pour elle et parfois elle a l'impression qu'elle va se réveiller, qu'elle va paniquer et qu'elle va d'un coup se rendre compte que plus jamais elle le reverra. Ouais. Au bout d'un an, après beaucoup de souffrance, elle demande si c'est normal et si elle se pose la question et si je n'avais jamais vraiment réalisé. Ok, alors. Ouais. Sylvie, n'est-ce pas? C'est Sylvie. Valérie. Pardon, Valérie. Valérie, là c'est quand il s'agit d'une mort brutale, un suicide, d'une mort non attendue qui survient brutalement, il faut comprendre cette difficulté à intégrer la réalité de ce décès comme en fait la marque d'un mécanisme naturel de protection psychique. On comprend bien là que le processus de deuil n'est pas un processus qui est décidé par la volonté. En fait, notre cerveau, il est extrêmement bien équipé pour progressivement qu'on intègre cette réalité. Ça veut dire que dans les décès traumatiques, quand on n'a pas accompagné la personne, par exemple, il est très fréquent que pendant même 10 mois, voire 12 mois, on sait à un niveau consciemment que la personne est décédée, on le sait, mais on ne le sait pas viscéralement. Au fond de soi, il y a une partie, comme si une partie de soi n'était pas encore au courant que la personne est décédée, et on peut craindre que, mais quand je vais prendre vraiment conscience, je vais m'effondrer. La réponse, elle est non. On ne va pas s'effondrer parce que progressivement, ces mécanismes de protection qui mettent à distance la trop grande intensité de la douleur, elle s'émousse progressivement. C'est-à-dire que le conscient, elle fait en sorte que l'inconscient fait en sorte que progressivement, cette réalité commence à s'intégrer. C'est pour ça qu'il y a un temps très long quand il y a un décès brutal, mais ceci est normal. Il faut rassurer Nathalie, il n'y aura absolument pas d'effondrement brutal. La prise de conscience va venir par bribes comme ça, mais on est protégé. Comprenez bien, le processus de deuil, c'est un processus psychique protecteur. C'est quelque chose qui est intrinsèque à notre être, à notre esprit, pour nous protéger face à la violence de l'événement, de la perte de quelqu'un qu'on proche. Donc, il y a un niveau élevé de confiance
qu'on peut faire par rapport à ça, c'est si on a besoin, enfin si il, le processus de deuil, a besoin de donner tout doucement l'information pour qu'on chemine vers l'information progressivement, ça veut dire que c'est ça dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on nie le décès. On le sait à un niveau de soi, mais comme je disais tout à l'heure, tout en soi n'est pas encore au courant et ça va un peu être comme un buvard, comme capillarité. Progressivement, cette nouvelle va s'intégrer à nous à un rythme que l'on peut tolérer. Et donc, il y a une confiance fondamentale à faire et c'est normal ce qui se passe. Il ne va pas y avoir une explosion après, mais c'est vrai que plus on va entrer dans la conscience de ce décès, dans la conscience de cette pensée que oui, c'est vrai, je reconnais, il ne va plus revenir. Mais c'est progressivement ça. C'est non, c'est pas possible, il va revenir. Puis tout doucement, c'est non, il revient pas. Mmh. Il va plus revenir. Maintenant, je sais qu'il ne revient plus. Et ça peut mettre un an et demi, parfois même 2 ans, sans que ce soit anormal. Mmh. On ne nie pas le décès, mais on est là en train d'expérimenter un mécanisme de protection naturelle du deuil. C'est clair, ça? On a pas mal de commentaires sur ce sujet-là, sur les suicides aussi, ce dont tu parles. Il y a Nathalie qui nous parle de... elle dit qu'elle a une question un peu morbide. Attends, je vois Hélène qui dit « Comment les bons souvenirs vont revenir ?» Les bons souvenirs reviennent, je vous le promets, mais des fois, il y a un tel cumul d'images qui sont un peu traumatiques, d'images de la fin de vie ou de l'accident, choses comme ça, que ça occupe l'espace psychique. Je vous promets que progressivement, tout doucement, il y a réémergence des souvenirs heureux. Pas forcément dans les premiers mois, ça peut mettre parfois jusqu'à 1 an à ce que tout doucement, il y a réémergence des souvenirs heureux. Mais on se rend compte de façon universelle que progressivement, ils reviennent. Rassurez-vous, même si c'est un peu différé dans le temps et que vous avez l'impression qu'il ne reste que des souvenirs traumatiques ou négatifs qui vont rester de la personne que vous avez perdue, eh bien non, vous allez vous rendre compte que ça va revenir, même si ça met un petit peu de temps. Soyez rassurés là-dessus. Je continue avec les questions. Alors, je lis. Je suis à la recherche de la résilience. Comment survivre à la mort d'un enfant même 10 ans après ? Je ne lâche rien de mon chagrin. Anxiolytique, somnifère, antidépresseur, depuis 10 ans, et toujours le vertige d'avoir perdu Bastien. Fleurir la tombe chaque jour, mettre des bougies pour ne pas qu'il ait froid. Rafraîchir en été pour qu'il ait chaud. Mariés depuis très longtemps, nous vivons chacun notre douleur quotidienne. Okay. Je pense que ça aborde un peu le sujet de la souffrance. Alors j'ai choisi cette question là parce que je vais pas y répondre directement parce que c'est trop spécifique, mais j'avais envie aujourd'hui de vous parler de quelque chose que j'aborde en fait rarement en public, que j'aborde en face à face et que j'aborde rarement de façon générale. Je vais essayer de le faire. Si vous ne comprenez pas exactement ce que je vous dis, pardonnez-moi, parce que c'est la première fois que j'essaie de le formuler comme ça. On demande toujours comment faire pour arrêter de souffrir. J'ai perdu la personne que j'aime. Qu'est-ce que je peux faire de cette souffrance? Ma souffrance provient de la perte de cette personne-là et je souffre de depuis là. Qu'est-ce que ma souffrance? Qu'est-ce qui occasionne ma souffrance? Eh bien, les personnes disent, mais la souffrance, c'est la mort de la personne que j'ai perdue. Le fait qu'elle ne soit plus dans ma vie. C'est sa mort qui a imposé sur moi la souffrance. Et pourtant, cette mort, dans la façon de la vivre, elle va évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que cette mort, elle est totalement insupportable pendant les premiers mois, les premières années. Mais on entend souvent, les gens disent après 10 ans, 20 ans, que l'événement de la mort de la personne est toujours là, mais ils en souffrent moins. Pourtant,
l'événement mort de la personne, absence de la personne, n'a pas changé. C'est toujours la même mort de la personne. Et pourtant, au fil du temps, du processus, même des années après, je souffre moins. Donc, quelle est la nature de ma souffrance ? Est-ce que c'est intrinsèquement la mort de cette personne-là, ou est-ce que c'est mon rapport, ma relation de moi avec cet événement-là ? Et on se rend compte que ce qui génère le plus ma souffrance, c'est le fait qu'il y a en moi quelque chose qui dit non, je ne veux pas que ceci se soit passé. Et on se rend compte que cette résistance, ô combien légitime, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas légitime, mais là on essaie de comprendre la nature subtile de la souffrance. Ma souffrance provient du fait que je veux que quelque chose soit différent de ce que c'est. Et plus je vais être en résistance dans un non constant à cet événement qui ne changera jamais, à savoir la mort de cette personne-là, son absence dans ma vie, plus je vais essayer de lutter contre cela, d'annuler cela, de faire comme si cette réalité n'existait pas, plus d'une certaine manière, il va y avoir une continuité de ma souffrance. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on parle de la souffrance et qu'on la voit comme un refus de rencontrer cette réalité pour ce qu'elle est, je ne dis pas de l'accepter, je ne dis pas d'accepter, mais c'est juste reconnaître que cette réalité est présente et que j'essaye pourtant de l'annuler, de faire comme si elle n'existait pas. Or, ce non qui est en moi par rapport à cette situation-là, c'est le cœur de ma souffrance. C'est le cœur de ma souffrance. Parce que, au fil du temps et des années qui vont se passer, peut-être 10 ans, 20 ans après, il y aura toujours la même souffrance, ça n'aura pas bougé. Mais qu'est-ce qui aura bougé qui fait que je suis plus apaisé ? C'est ma relation avec cet événement qui restera intact à tout jamais, le même à tout jamais. C'est que en moi, j'ai progressivement cheminé dans, je suis passé d'un « non, je ne veux pas que ça se passe » à quelque chose qui est un accueil d'une réalité que je n'aime pas, mais un accueil d'une réalité, et du non, je suis passé à un oui. Non pas un oui qui dit « je suis d'accord avec ça », mais un oui qui dit « ceci s'est passé ». Et plus je vais m'opposer, me mettre en résistance contre cette chose dans la réalité contre laquelle je ne peux rien, eh bien, si je reste sur cette opposition, cette résistance, c'est là où, d'une certaine manière, on est bien d'accord, d'une certaine manière, il va y avoir une continuité de ma souffrance. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a donc là, en creux, une manière de cheminer pour apaiser la souffrance. En réponse à la question des gens qui disent « mais comment souffrir moins ?» Comment souffrir moins dans cette perspective-là, et uniquement dans cette perspective-là, c'est de pouvoir un soir, se poser chez vous et dire « Ok, que s'est-il passé ? Tu n'es plus dans cette vie. » Et regardez en vous quelle est mon attitude par rapport à cet événement qui est survenu dans ma vie et qui ne va jamais changer. Eh bien, vous allez sentir qu'il y a un « non » qui s'élève. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas possible. Non, enfin, quelque chose qui va être autour d'un non. Eh bien, comprenez que ce non, c'est ça qui nourrit la souffrance. Et que dans le processus de deuil, progressivement, c'est une lente, progressive altération de ce non, qui n'est pas forcément un non conscient, qui est parfois un non inconscient,
mais que si on le rend conscient, on se rend compte en fait qu'on est beaucoup moins, comment dire, l'otage de la souffrance, mais qu'on a peut-être un petit contrôle sur cette souffrance parce que c'est une invitation à dire comment je pourrais faire du mieux que je peux pour que ce non, cette résistance à quelque chose qui ne changera jamais, comment je peux cheminer pour, non pas l'accepter, mais pour l'accueillir tel que c'est, comme une réalité que rien ne pourra venir changer. Et quand vous faites ceci, il y a parfois des gens qui disent « Non, je ne voudrais jamais accepter cette réalité. » Mais ça veut dire, d'une certaine manière, qu'on va entretenir toujours cette résistance au réel. Or, l'essence de ma souffrance, c'est cette résistance au réel. Donc, c'est pas... Vous comprenez, j'espère que c'est que je suis clair là-dessus. Hein. C'est pas de dire je suis responsable de ma souffrance parce que je refuse le réel. C'est pas ça. C'est juste accueillir l'idée que ma souffrance va être progressivement apaisée par le fait de rencontrer tout doucement une réalité qu'initialement je refusais, mais que progressivement je peux entrer, comment dire, pas en amitié, mais accueillir, je ne l'aime pas, mais elle est présente. Et j'ai beau passer ma vie, 10 ans, 20 ans, à dire « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas », vous savez quoi ? Elle sera là, de toute façon. Donc, comme je ne peux pas changer ça, comment je peux changer mon attitude intérieure pour tout doucement passer de ce « non, je ne veux pas » à une sorte de « oui ». Un « oui » qui n'est pas j'accepte que tu sois mort, parce que c'est parfois inacceptable à tout jamais, mais juste le oui de oui, ceci s'est passé, je n'aime pas, tu me manques, mais ce oui porte en lui un apaisement. Est-ce que c'est clair, Damien, quand j'en parle comme ça? Est-ce que tu comprends ça? Ouais. Parce que si tu comprends, les gens, je pense, vont le comprendre. Parce qu'il y a une autre chose qui se passe aussi. Vous savez bien que le processus de deuil, c'est de passer d'un lien extérieur objectif à un lien intérieur. Ce lien intérieur passe par le fait d'acter le réel tel qu'il est. C'est-à-dire d'acter le fait que je reconnais tout mon être reconnaît cette réalité, et cette réalité me dit quoi ? Le lien objectif, concret avec la personne que j'aime n'existe plus dans ce monde, et j'apprends progressivement à ne plus être en résistance dans le non par rapport à cette réalité-là. Et plus je lâche ce non, et plus je suis dans le oui par rapport à cette réalité, plus je crée les conditions intérieures pour que s'installe en moi, de l'extérieur à l'intérieur, le lien que j'ai perdu. Ça veut dire que parfois, comme la dame qui nous écrit, le fait de je ne lâche rien de mon chagrin, je fleuris la tombe chaque jour, je mets des bougies pour qu'il n'ait pas froid. Ça veut dire que je continue à garder une relation extérieur à la personne. Or, mon expérience quotidienne fait que je n'ai pas la présence de cette personne concrètement dans ma vie. Donc, je pose des actes qui sont sans cesse en contradiction avec ce que mon expérience quotidienne me dit, à savoir que je ne suis plus dans le lien concret avec cette personne-là. Donc, ça veut dire progressivement, pour apaiser ma souffrance, lâcher progressivement ce « non, je ne veux pas que le réel soit tel que je veux qu'il soit ». Ça ne marche pas. Le réel sera toujours tel qu'il est. Ma responsabilité, c'est de cheminer tout doucement pour que je m'aligne avec ce qu'il est et arrêter d'attendre qu'il soit ce qu'il ne sera jamais. Et là, il y a une voie pour sortir de la souffrance. Parce que quand on a fait cette étape-là, on crée les conditions intérieures pour que
renonçant à un lien qui ne peut plus s'établir à l'extérieur, on ouvre la porte à l'instauration du lien à l'intérieur. Et je vous le promets, quand ce lien s'installe, il est là à tout jamais. Et il est dans le oui. Parce qu'on a été dans le oui de la réalité telle qu'elle est, qu'on ne pourra jamais changer, eh bien, on est dans le oui de l'accueil de cette relation intérieure. Donc, si vous vous voyez entretenir trop des choses au fil des années, je ne dis pas dans les premiers temps du deuil, je ne parle pas dans les 2, 3, 4, 5 ans du deuil, je ne parle pas de ça. Je parle dans des deuils beaucoup plus, des temps beaucoup plus longs. Mais si vous voyez que vous posez des choses qui, après 5 ans, 10 ans, continue à maintenir la relation extérieure, comprenez, sur la base de ce que je vous ai dit, qu'il y a quelque chose en vous qui est en résistance au réel et vous ne gagnerez jamais. C'est toujours le réel qui gagne. Et vous serez toujours en souffrance parce qu'il y a quelque chose en vous qui est dans le non par rapport à l'immuable. Et vous verrez que si vous lâchez progressivement ce nom. C'est-à-dire que si vous laissez peut-être tomber certaines choses qui entretiennent extérieurement la relation, eh bien, ça ouvrira la porte à pouvoir l'intégrer. Et là, il y aura un oui qui tiendra compte de la réalité, mais qui laissera la place à une réalité intérieure qui sera vraiment un lien qui existera à tout jamais. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? C'est très clair. Ça te paraît clair, c'est Damien ? C'est très clair. Est-ce que les gens, oui. Alors on a... les gens réagissent à ça ? Parce que c'est vraiment important, parce que c'est vraiment... Mais j'insiste bien, soyez attentifs à ça. Soyez attentifs que quand vous êtes dans la souffrance, ne balayez pas la souffrance. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ne mettez pas votre souffrance de côté, mais regardez-la. Au lieu de la dire comment te mettre loin de moi, regardez-la, dis viens là. Qu'est-ce que tu es, ma souffrance ? Qu'est-ce que tu me dis ? Et si vous écoutez bien ce que vous dit votre souffrance, elle va vous dire je veux pas que ce qui se passe se passe. Je refuse cette mort. Je refuse que tu sois pas là. Je veux que tu sois là. Et vous vous rendrez compte, en regardant droit dans les yeux votre souffrance, qu'elle vous dit quelque chose qui est en complète opposition avec votre expérience quotidienne, qui est que la personne n'est pas là. Et donc, il y a un conflit entre ce que votre expérience vous dit, la personne que j'aime n'est pas dans ce monde, objectivement, elle n'y est pas, elle n'y est plus, et conflit avec ce que votre esprit veut. Je veux que tu sois là. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu ne me manques pas. Je veux que tu sois présent pour mon anniversaire. Et en fait, ce conflit entre ce que je veux, qui se met en résistance par rapport à ce qui est, c'est ça le cœur de la souffrance. Donc, je me répète, comme ceci ne va pas changer, le réel ne va pas changer, j'ai tout ce chemin qui est lent, hein, qui est vraiment lent, mais de rentrer en phase avec la réalité, lâcher ce que j'entretiens pendant des années, hein, on n'est pas au premier temps, j'insiste, hein, qui me maintiennent dans une relation extérieure alors qu'elle a besoin d'être intériorisée, et là il y a de l'apaisement qui s'installe. D'accord ? Le cœur de ma souffrance, c'est la résistance au réel. D'accord ? Moins je me mets en résistance par rapport au réel, hein, moins je me mets en résistance par rapport au réel, plus je crée tout doucement, c'est pas en 5 minutes, bien sûr, hein, mais tout doucement, je crée les conditions du vrai apaisement. Parce que le vrai apaisement, il va venir de la restauration du lien à l'intérieur. Le vrai apaisement ne vient pas du fait de pérenniser une relation avec l'extérieur qui n'existe plus et qui n'existera jamais plus, du moins dans cette vie, sur cette terre. D'accord ? J'espère que vous avez compris. Soir, mon cher Christophe, parce que c'est profond, parce que c'est,
C'est vraiment. Alors, d'une autre manière, si vous dites, si vous souffrez, vous dites, mais je veux pas que tu sois mort, je veux pas que tu sois pas là. Je me répète là, peu importe. Regardez cette colère qui monte en vous et regardez-la pour ce qu'elle est. C'est je veux pas ce réel qui s'impose à moi. Et certaines personnes pourront dire je le voudrais jamais, 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 je voudrais que ce réel soit ainsi. Et quand vous dites ça, vous dites que jamais, jamais, je me donnerai les moyens de l'apaisement. C'est important, ça. Ouais. Si vous dites jamais, je dirai oui à cette réalité, eh bien, malheureusement, c'est ça qui fait qu'on peut souffrir pendant 20 ans. Alors que, qui amène cette souffrance. Si je rencontre ça, la résistance à cette réalité, si je tout doucement essaye de l'apaiser, si je me dis oui, ok, tu veux pas que ton petit soit décédé, mais regarde, ton petit, il est décédé. Même si tu veux pas, même si tu t'arc-boutes, même si tout en toi ne veut pas, regarde, ton petit, il est décédé. Tu peux pas revenir en arrière. Donc, cet événement-là, il peut pas, il peut rien pour toi. Il est là. Mais ce que tu peux faire pour toi, c'est de regarder cette souffrance qui dit je ne veux pas et de dire ok, c'est pas que je veux accepter ça, mais j'arrête de dire non à ce qui ne changera de toute façon jamais. Et je commence à dire oui à ce que tu as déposé en moi, à l'amour qui est en moi, à la tendresse qui est en moi, à tout ce que je vais pouvoir faire vivre en moi, à toute cette vie que je vais vivre sans toi, en honorant ton nom du mieux que je le peux à chaque respiration que je vais faire dans cette vie jusqu'à ma mort, où, très probablement, je vais te retrouver. Voilà, c'était ça. C'était un petit peu long, mais c'était important de parler de ça. Non, merci beaucoup pour ça. Ça parle à beaucoup, beaucoup de commentaires sur ce que tu as dit. Je pense que ça paraît très, très clair et ça parle beaucoup au fond. Oui, oui. Bah, tu sais, on pourra presque faire un thème sur la nature de la souffrance une fois, si on parle des thèmes, parce que j'ai des choses à dire là-dessus, parce que ce n'est pas simplement de la philosophie qu'on fait, hein. C'est concrètement un moyen très concret, un petit peu bizarre à laquelle on ne pense pas forcément, mais de prendre soin de sa souffrance. La regarder comme quelque chose qui est non pas la conséquence de ma perte, mais une posture intérieure où je ne valide pas la réalité de ma perte. C'est pas la même chose. Parce que c'est pas ma perte qui est la source de ma souffrance, parce que si elle était intrinsèquement en soi la source de ma souffrance, elle changerait jamais. J'aurais la même souffrance 10 ans, 20 ans, 50 ans après. Or, je souffre moins de ma perte, mettons après 10 ans, 20 ans. Ça veut dire que c'est pas ma perte en tant que telle qui est porteuse de souffrance. Parce que si elle était, elle, porteuse de souffrance en soi, intrinsèquement, elle serait toujours porteuse de souffrance 20 ans après. Donc c'est pas ma perte qui est source de souffrance. C'est ma relation à ma perte qui est source de souffrance. Ma capacité à l'apprivoiser et à cesser de refuser cet événement qui fait que je crée les conditions de l'apaisement intérieur et je me rends compte que cette perte qui est là, eh bien, je peux être très pacifié par rapport à elle. Hein? Donc, ce qui a changé, c'est ma posture intérieure. Ce n'est pas ma perte qui est la cause de ma souffrance. C'est mon cheminement intérieur qui va modifier ma souffrance, parce que ma souffrance provient essentiellement de ma résistance à une réalité que plus rien ne pourra jamais changer. Après, juste un point qui est hyper important, qui est un petit peu délicat, et qui,
qui fait que parfois on s'identifie tellement à sa souffrance qu'on en fait son identité. Mmh. Ne faites pas du fait d'être en deuil votre nouvelle identité. D'accord ? Parce que parfois, là, ça va durer tout le temps parce qu'une identité, on y tient. Et le processus de deuil, c'est un processus évolutif. Une identité, c'est plus quelque chose qui est fixé. Hein, on s'accroche d'ailleurs à cette identité. Donc vraiment, on peut... parce qu'on a tellement perdu, qu'on a l'impression d'être tellement plus rien, qu'on peut se raccrocher à cette nouvelle identité de personne en deuil. Et on peut être donc très en colère contre toute personne qui essaierait de nous aider pour nous sortir de cette peine, mais qu'on vit alors comme le fait de sortir d'une identité. Hein ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? Tu comprends, Damien ? C'est vraiment important de ne pas s'enquister dans une identité de personne en deuil, mais comprendre que c'est un processus au fil du temps qui ne vous définit pas. Vous n'êtes pas défini par votre perte, vous êtes une personne qui a vécu une perte. Vous n'êtes pas identifié au processus de perte. C'est un processus qui vous traverse, mais qui ne vous définit pas dans ce qui vous êtes fondamentalement. C'est hyper important. Déjà, pour les mamans, là, je m'adresse aux mamans qui sont là. J'ai déjà dit 1000 fois ça, mais je vous le répète quand même. Il se peut que votre adolescent n'ait pas envie de vous parler, n'ait pas envie de parler de son papa ou de parler de son frère ou de sa sœur décédée, enfin un peu de la personne décédée. Et vous pouvez croire, vous, en tant que maman, qu'il est en danger. Parce que il est en train de garder des trucs en lui et vous craignez qu'il y a une bombe à retardement à l'intérieur de lui-même qui va exploser plus tard dans plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que il aura tout gardé à l'intérieur, il n'aura rien dit. Ça, c'est depuis 25 ans que j'accompagne le deuil, c'est un souci constant des mamans. Et vous savez quoi? Ça ne se passe quasiment jamais. Quand je dis quasiment, c'est 99,9% des cas. Hein, je veux dire cette explosion psychique, le moment où on pense que la personne ne parle pas et d'un coup elle va exploser. Oui, oui, voilà. Et bien ça ne se passe pas parce que l'adolescent, déjà il y a plusieurs niveaux. C'est un adolescent déjà. Donc l'adolescent, structurellement, il va avoir beaucoup plus tendance à aller chercher de l'aide dans une autre sphère que la sphère familiale. Parce que par définition, l'adolescence, lui, c'est un mouvement pour s'émanciper hein, de la sphère familiale. Première chose. Deuxième chose, il va avoir surtout besoin d'être en lien avec ses pairs. Quand je dis ses pairs, un P-A-I-R-S, c'est ses copains, ses copines, et c'est là où les choses vont se faire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui. On va parler, on va échanger. En fait, ils échangent peu. Quand on regarde exactement ce qu'ils se disent, en fait, ils échangent peu de choses. Autre chose également, c'est que vous savez bien que le vécu émotionnel du deuil, il est en lien direct avec le vécu, la nature du lien émotionnel qui nous relie avec la personne qu'on a perdue. Là, une maman, elle a perdu son compagnon. L'enfant, il a perdu son papa. Il n'y a pas de hiérarchie dans les liens, mais c'est des liens de tonalité émotionnelle différente. Hein. Donc, la maman ne peut pas s'attendre à ce que le vécu émotionnel de son enfant soit le même qu'elle. Par exemple, hein, et ça arrive très souvent, le gros du vécu émotionnel de la compagne, donc hein, qui a perdu son compagnon, ça peut être pendant 2 ans, 3 ans, parfois plus longtemps, alors que le vécu émotionnel de ses enfants, jeunes enfants ou adolescents, ça peut être le plus gros pour eux, ça va être peut-être pendant 1 an seulement ou 1 an et demi, de façon complètement habituelle, complètement normale. Donc, à un moment donné, on est synchrone au début, mais après, on n'est plus tout à fait synchrone. C'est-à-dire que la maman, peut-être après 1 an ou 2 ans, est dans une espèce de solitude énorme
elle aurait besoin qu'on parle de son compagnon là, et elle est un peu étonnée ou choquée parfois hein, de voir que ces adolescents ont repris leur vie, sont avec leurs amis, sont dans leurs projets d'avenir et n'ont pas forcément envie de parler du papa, n'ont pas forcément envie d'aller sur la tombe. Et donc, il peut y avoir une incompréhension et, justement, comme je disais tout à l'heure, cette peur que quelque chose soit enfoui à l'intérieur qui va exploser. Mmh. Non, c'est deux modes différents d'expression et il n'y aura pas d'explosion, je vous assure, il n'y aura pas d'explosion. Et très souvent, d'ailleurs, vous savez, des mamans traînent littéralement leur enfant ado, fille ou garçon, au cabinet en disant « il faut que tu parles parce que tu ne parles pas et donc tu te mets en danger ». Et une fois que j'ai en face de moi le jeune garçon ou la jeune fille, je dis « l'heure où tu en es ?» et puis ils disent ben, « moi ça va, c'est maman qui voulait à tout prix que je vienne, mais moi ça va, je vis les choses à ma manière et maman veut que je les vive comme elle ». Mais je ne les vis pas comme elle. Est-ce que vous pouvez pas, docteur Forêt, lui expliquer que ma façon de vivre les choses, ce n'est pas comme elle, mais elle veut. Elle a l'impression que j'oublie notre papa, alors que je pense à lui tous les jours. Mais ce n'est pas parce que je ne lui en parle pas tous les jours que j'oublie mon papa. Mais ce n'est pas la même manière qu'elle. Hein, donc, c'est vraiment. Voilà. Donc là, je suis surtout parlé des ados, parce qu'on avait déjà parlé des enfants d'autres fois. Ouais. Mais des enfants, ok. Juste, je pense qu'il y en a pas mal qui nous parlent des enfants. C'est vrai que c'est un sujet quand même qui nous touche tous. Oui. Si on extrapole pour des ados, pour des enfants qui ne parlent pas, ce n'est pas catastrophique. Mais non. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même, même si on est déjà rassuré sur ça, et merci de nous rassurer, parce que c'est pas évident de le comprendre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon subtile, enfin subtile, explicite, envoyer le message dans la famille que on est prêt à en parler. Ok, c'est un sujet. Déjà, que c'est un sujet qu'on est prêt à en parler. Et je vous avais déjà mentionné le cas d'une maman et Sabine, si vous êtes là, bonjour Sabine. Hein, une maman qui avait perdu son garçon et elle a deux autres garçons et elle a son mari, c'est-à-dire que des gars, il y a que des gars, hein. Alors que elle a son vécu émotionnel de maman en deuil, mais de femme en deuil, elle est entourée par des gars qui ont un mode masculin d'expression du deuil et à savoir beaucoup plus silencieux. Et donc elle était en souffrance parce qu'elle se sentait très très seule par rapport à cette manque de communication. Et donc ce rituel qu'on avait fait, c'était ce dont on avait discuté, qu'elle a mis en place et qui fonctionne bien, c'est de mettre sur un petit endroit dans le salon, mais pas un énorme hôtel, mais un petit endroit, la photo de son garçon, une bougie et un petit bouquet. Et tous les jours où régulièrement, elle allume la bougie ou elle change le bouquet et elle a dit, hein, ils ont échangé avec son mari et ses enfants, vous dit, quand la bougie est allumée, ça veut dire que je suis peut-être plus dans la peine. Quand je change le bouquet, ça veut dire que il y a quelque chose en moi qui est en lien très fort avec votre frère disparu. Et comme ça, de façon très implicite, il y a quand même quelque chose qui s'exprime et ça lui fait du bien à cet moment de savoir que ils sont au courant, au point que, et ça je crois que vous l'avez déjà raconté une fois lors d'un live, au point que parfois pendant quelques jours elle n'avait pas allumé la bougie, elle n'avait pas changé les fleurs, voilà. Bah un de ses garçons est venu en disant « ça va maman ?» Mmh. Il lui posait la question. Hein. Il a été vers elle en disant « ça va maman ?» Et lui on dit « pourquoi tu te demandes ça mon garçon ?» Il dit « t'as pas changé les fleurs ?» Hein. Ça voulait dire en fait qu'il avait repéré quelque chose. Mais avec ses mots à lui, c'était pas « maman, est-ce que tu veux qu'on parle de ta souffrance ?» Non, c'est « tiens, t'as pas changé les fleurs ?» C'est un petit peu détourné. Donc déjà, c'était le truc important, c'est envoyer le message que je suis ouverte
pour en parler. Et puis après, on peut mettre dans la conversation évoquer le nom du frère ou de la sœur ou de la personne disparue et voir si l'enfant y saisit au vol l'opportunité ou pas. L'idée, c'est vraiment, on ouvre au maximum la conscience du fait qu'il est possible de parler de la personne disparue. Et peut-être aussi dire de façon plus active en disant, mes chéris, ce soir, j'aurais vraiment besoin de parler de votre papa, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de temps. J'ai vraiment besoin que vous m'écoutiez parce que j'ai un truc là et j'ai vraiment… Alors, peut-être que je vous gonfle, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de vous parler de votre papa ou de vous parler de quelque chose qui est dans ma tête là et que j'ai envie de partager avec vous. Et on peut être étonné que les enfants disent « Ok, maman, bien sûr. Bien sûr. » Mais voilà. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, tellement de choses. Oui, merci, c'est excellent. On a Nelly qui nous parle de ces images-là aussi et qui, elle, a pris l'habitude de lui demander pardon tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu as déjà rencontré ça? Qu'est-ce que ça signifiait? C'est clairement l'enjeu de la culpabilité. Il y a quelque chose qu'il faut être clair. Nous sommes des êtres humains, ok? En tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Loin de là. La personne qu'on aime, même si on l'aime de tout son cœur, elle n'était pas parfaite, ok? Donc la relation qu'on a créée entre les deux, elle n'était pas parfaite. Il y a eu des choses qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on a fait ou qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on n'a pas fait justement et qu'on regrette de ne pas avoir fait. Et ça vient nourrir cette idée que on a eu une faute, on a commis une faute dans la relation, mais la relation était non parfaite. Et la culpabilité, parfois, comme le deuil, c'est aussi une relecture de tout ce qu'on a vécu dans la relation. Immanquablement, on va retrouver des choses qu'on aurait dû dire ou qu'on aurait dû faire. Immanquablement. Mais après, il faut être vigilant sur qu'est-ce que je me demande quand je me demande la perfection dans la relation. C'est impossible. C'est impossible de se dire j'aurais dû être absolument parfaite à ce moment-là, comprendre exactement ce qui est dit, exactement ce qui a été fait. Et c'est difficile quand on est un parent, par exemple, qui a perdu son enfant, de dire oui, mais mon rôle de parent, c'était vraiment de tout comprendre, de tout saisir. La vérité, c'est que ça n'est pas humainement possible. Un parent, aimant soit-il, ne peut pas tout comprendre, ne peut pas être parfait. Et il y a vraiment quelque chose, et c'est pas un vain mot ce que je suis en train de vous dire, il y a une vraie compassion par rapport à soi, une capacité à se pardonner soi-même de ne pas avoir été l'être parfait que de toute façon on ne pourra jamais être. Et si on fait le constat de choses qui ont pu blesser la personne, au lieu de se traîner une culpabilité en disant j'aurais dû, qui est en train d'écrire une autre histoire qui n'a pas celle qui s'est passée, c'est vraiment se poser et dans son cœur, vraiment en lien avec la personne, vraiment demander pardon, vraiment, dire vraiment pardonne-moi si je t'ai fait du mal, pardonne-moi s'il y a des choses que je n'ai pas compris, vraiment du fond du cœur, pardonne-moi. Et en demandant ce pardon, il y a quelque chose que vous demandez pardon à vous-même. Et s'il vous plaît, accordez-vous ce pardon, parce que porter le poids de la culpabilité sans vouloir être d'une telle violence envers soi-même, en s'interdisant d'être heureux parce que je suis coupable, ça ne fait du bien à personne. Ça ne fait du bien à personne. Ça n'aide ni vous, ni vos proches, ni la personne qui est perdue. C'est simplement de l'auto-agression encore et encore et encore. Et c'est pas une bonne façon, c'est pas une façon facile de se débarrasser de la culpabilité. Non, c'est juste d'être ancré dans la réalité de l'imperfection de soi en tant que personne, de l'autre personne et du lien qu'on a créé, et de sortir dans « j'aurais dû être parfait ». Ça n'est pas possible. Donc, un petit peu de douceur par rapport à ça, c'est un chemin. Et aussi, la culpabilité, c'est pas quelque chose qui part en 5 minutes. La culpabilité, c'est quelque chose qui se travaille, qui va s'estomper, devenir progressivement tolérable. Et comme je vous ai dit lors d'un dernier live,
la culpabilité parfois ne pourra jamais s'estomper, même des années après, 10 ans, 15 ans après, il se peut qu'on garde toujours un petit pincement au cœur par rapport à quelque chose qui est une culpabilité parfois légitime. Ça fait aussi partie du processus de deuil et il est illusoire et là encore inhumain de se demander d'éradiquer complètement cette culpabilité. Elle est là, elle fait partie de la relation, elle fait partie de ce qu'on a vécu avec la personne et c'est tout le chemin d'apprivoiser cette culpabilité pour qu'elle ne vienne pas prendre le contrôle de notre vie. Je pense que c'est que la personne qu'on a perdue ne voudrait pas cela. Elle voudrait pas que en son nom on gâche son existence. Elle voudrait pas que en son nom on se punisse et on s'interdise d'être heureux. Tout ça parce qu'on a eu une parole malheureuse ou un comportement qui a pu le blesser. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire sur la culpabilité, mais c'est vraiment. Il faut être vigilant aussi comment on se punit parfois de façon très subtile quand on se dit coupable et que d'une certaine manière, comment dire, on tient à sa culpabilité parce que cette culpabilité, on tient à cette punition et posez-vous la question, mais pourquoi je tiens si fort à cette volonté de me punir, de se dire je suis coupable, mesurer la violence qu'il y a derrière ça à cause personne vous demande cette violence là, il y a que vous qui vous l'imposez et il y a vraiment à prendre en compte mais quel sens, pourquoi je reste autant accroché à la violence de cette culpabilité qui détruit ma vie en me disant oui mais il est mort, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit. Si vous avez le droit, vous avez le droit de continuer à exister. Cette personne a eu sa vie, courte ou longue, mais son décès n'est pas une autorisation ou un interdit pour vous de continuer votre existence. Ça peut paraître, comment dire, ça peut paraître un interdit que vous vous donnez, mais il n'y a que vous qui vous le donnez. On peut continuer son existence et on ne trahit pas la personne qu'on a aimée, même si on est heureux après son décès. Ça, c'est ce que rend possible le processus de deuil. Merci pour ça. Je rebondis sur, tu parles de ce processus du deuil. On a justement une question qui parle de ce sujet. C'est David qui nous dit qu'il a perdu malheureusement son fils et sa femme dans un accident de la route. Et pour lui, il considère qu'il n'a pas fait son deuil. Et justement, ça fait 12 ans maintenant. Et il se demande, donc il analyse, il s'auto-analyse, il dit qu'il n'a pas fait son deuil et il se pose la question pourquoi j'ai pas fait mon deuil. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai envie de te demander, Christophe, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil? Ça veut rien dire. On ne fait pas son deuil. On est traversé par le deuil. C'est pour ça que la plateforme s'appelle Mieux traverser le deuil. C'est faire son deuil, c'est une expression qu'il faut bannir de nos esprits parce que ça suppose qu'il y a un début, un milieu et une fin. Or, vous savez bien que quand on perd une personne qu'on aime le plus au monde, on est impacté par sa perte toute notre vie, à tout jamais. Donc, il n'y a pas de fin, je dirais, au deuil, à l'impact de la perte de la personne dans notre vie. Mais le but, l'objectif de ce processus naturel, du processus de deuil, c'est d'apaiser progressivement la souffrance au fil des années. Là, pour ce monsieur, comment il s'appelle ce monsieur? Dis-moi. C'est David. David, pour David, ce qu'on a dit la dernière fois dans le live, c'est que le processus de deuil, il se fait de toute façon. C'est un processus naturel comme un processus de cicatrisation. Donc, le processus de cicatrisation du deuil de David, on peut être certain qu'après 12 ans, la plaie est là. Mais vous me direz, oui, mais je ressens encore de la souffrance, je ressens encore de la peine, je ressens encore quelque chose de douloureux encore en moi. Ça, c'est deux choses. La première, c'est que le processus de deuil ne vient pas éradiquer complètement la souffrance. Quelque part en nous, cette souffrance reste un peu en nous, même si tout autour de cette souffrance, on a pu créer un espace au fil des années, on a pu créer un espace plus apaisé, plus serein, il reste toujours quelque chose de cette souffrance qui restera tout au long de notre vie. C'est la conséquence d'avoir aimé et été aimé de cette personne-là. Donc, ne pensez pas que le deuil soit quelque chose qui va éradiquer la souffrance, c'est pas vrai.
Ça, c'est la première chose. La deuxième que dit David, c'est qu'il ne faut pas confondre « je n'ai pas traversé mon deuil » ou « fait mon deuil », entre guillemets. En fait, ce n'est pas ça la question. C'est David nous parle du manque. Le manque est quelque chose qui ne s'apaise jamais. Le manque de mon enfant, 10 ans après sa disparition, 20 ans après sa disparition, ou de mon compagnon, ou de ma compagne, ou de mon parent. Quand, par exemple, à un moment donné, il y a une fête, ou il y a un anniversaire, ou un mariage, ou des magnifiques vacances, et je me dis, mais j'aimerais tellement qu'il soit là, il adorerait être là, ce serait tellement bien qu'il soit là, et on ressent de la souffrance, et on se dit, cette souffrance-là, ça veut dire que je n'ai pas fait mon deuil. Non. Le processus de deuil est fait, mais ce qu'on ressent à ce moment-là, ça s'appelle le manque. Et c'est ça le manque. Et le manque, c'est quelque chose qui va toujours perdurer parce que c'est quelque chose qui est toujours en référence au présent. Le manque n'est pas référence au passé. Le manque est référence au ce que je vis maintenant est douloureux parce que la personne que j'aime n'est pas là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va appartenir au passé, le manque. Jamais. Peut-être qu'il va s'adoucir au fil du temps, mais il y aura toujours quelque chose quand on souhaiterait tellement que la personne soit là, qui va s'exprimer, et ça s'appelle le manque. Donc, David a sûrement accompli son chemin de deuil, sa cicatrice est faite, mais du fait de réactivation de souffrance par divers événements, il a toujours des montées de manque de la personne, et ça, c'est, comment dire, c'est là encore l'empreinte qu'on a aimer cette personne et qu'on a été aimé de cette personne et qu'elle a déposé en nous toutes ces choses et c'est inscrit à tout jamais dans notre existence. Tu me fais penser à quelques témoignages que moi j'avais vécu quand je faisais des interviews lors de films et je me rappelle avoir entendu ce témoignage qui disait que une personne en deuil ne voulait pas sortir de la souffrance parce que c'était le seul lien qui lui restait avec la personne qu'elle avait perdue. Alors c'est un peu bizarre quand t'es pas endeuillé de comprendre ça. Est-ce que ça s'explique ou est-ce que c'est étrange? Alors, c'est pas que c'est étrange, c'est on a cette idée, je vous assure, qu'on a cette idée au début que je suis en lien avec la personne que j'aime par l'intensité de ma souffrance. Or, c'est faux. On est en lien avec la personne par l'intensité du lien d'amour avec cette personne-là. C'est le lien d'amour qui... Parce qu'on se rend compte plusieurs années après, après la perte, quand les gens, justement, se rendent compte qu'en eux, la souffrance s'apaise, ils se rendent compte que le lien est préservé. Et qu'en fait, alors qu'ils étaient intimement convaincus pendant les premières années que c'était par la souffrance que le lien était préservé, on comprend bien qu'ils ne voulaient pas être apaisés. On comprend bien qu'il ne voulait pas dire « Non, non, je ne veux surtout pas apaiser cette souffrance-là parce que ça voudrait dire que je l'oublie, que je perds le lien et tout. » Or, on se rend compte qu'avec le processus de deuil et que la souffrance qui s'apaise, il y a en fait quelque chose qui est d'autant plus fort qui est restauré dans le lien par le lien d'amour, un lien d'autant plus fort qu'il est moins parasité par la souffrance. Ça veut dire clairement, ne craignez pas de vous faire aider pour apaiser votre souffrance. Si vous pensez qu'apaiser votre souffrance veut vouloir dire vous mettre à distance de la personne, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Apaiser votre souffrance, bien souvent, va vous permettre de retrouver progressivement le lien avec la personne, alors que vous pensez que c'est la souffrance qui va préserver le lien. On est d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souffrir. Bien sûr qu'on souffre, évidemment qu'on souffre. Mais ne restez pas accroché à cette souffrance-là en pensant que si elle part, vous oubliez, vous perdez le lien. C'est juste l'inverse. En t'écoutant, je me pose cette question, si finalement le problème de la mort, ce n'est pas l'amour, est-ce que ce n'est pas cette rupture directe d'aimer et est-ce que ça peut nous rassurer de se rappeler que finalement, cette racine de cette tristesse, cette détresse, en fait, c'est de l'amour, de l'attachement. Mais exactement. Pourquoi il y a un processus de deuil? Vous prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas qui meurt dans la rue, vous êtes touché, mais il n'y a pas un processus de deuil qui s'initie en vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien émotionnel avec cette personne-là. C'est parce qu'il y a un lien émotionnel
plus ou moins fort avec une personne qu'on perd, que se met automatiquement, et qui est donc une blessure liée à cette perte, qu'il y a automatiquement mise en route du processus de deuil, de cicatrisation. Oui. Ça veut dire que c'est pas les liens du sang qui déterminent ça. On peut avoir un lien extrêmement fort avec un ami ou une amie et à son décès être complètement dévasté, alors que une grand-mère ou une oncle, une tante qui faisait partie de la famille mais avec qui on n'avait pas un lien émotionnel très fort, quand la personne décède, on est touché mais il n'y a pas un gros processus émotionnel de deuil qui est autour de ça. Donc le deuil en fait parle du lien d'amour interrompu dans la vie physique, parce que le deuil est une promesse de continuité du lien à l'intérieur de soi et peut-être à d'autres niveaux, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pour fonction de passer d'un lien extérieur objectif avec une personne dans la vie à un lien intérieur subjectif où là on ne la perdra plus jamais. Jamais. Même si on n'y pense pas tous les jours, on sait que la personne est là et que dès qu'on évoque son prénom, dès qu'on voit une photo, clac, elle revient immédiatement. Ce qui fait qu'avec cette réassurance, on peut s'offrir le luxe, je dirais, de penser à autre chose. Oublier, entre guillemets, d'y penser pendant quelques instants, parce qu'on sait avec l'expérience, au fil des années, qu'il suffit de réévoquer son nom, clac, aussitôt, elle est là et on ressent le lien. Donc, n'ayez pas peur d'aimer parce que ce lien va créer de la souffrance, certes, mais c'est le sens d'une vie, quoi. De pouvoir aimer, d'être aimé en retour. On est sur un sujet tabou, sur l'expérience humaine la plus partagée, et en fait, ce tabou, tout le monde va en parler réellement. En France, une plateforme d'écoute baptisée « Mieux traverser le deuil ». Comment survivre à la disparition d'un proche ? Le deuil, c'est le thème douloureux d'un documentaire qui vient de sortir au cinéma dans de nombreuses salles et je choisis de vivre. Sur le sujet du deuil, je ne connaissais rien du tout et j'ai eu un déclic pendant le tournage. En fait, on ne dormait plus, ça résonnait en chacun d'entre nous, chacune de nos histoires personnelles. Le film crée un tel événement, un tel afflux de réactions partout où il est vu que l'équipe décide d'inventer donc ce site « Mieux traverser le deuil ». Parce qu'elle découvre l'équipe que la France compte 600 000 morts par an et que le deuil, tabou social, se révèle un sujet de santé publique, en réalité laissé à l'abandon. Il y a 48% d'endeuillés en France. Et sur ces 48% d'endeuillés, il n'y a que 3% qui ont pu être en contact avec des associations. Et puis on se dit, il y a un besoin immense, c'est pas possible. Pour toucher et pour pouvoir aider un maximum de personnes, utilisons-nous ce qu'on sait faire, le digital. Une plateforme devenue depuis une référence. Une référence du ministère de la Santé. Et donc, Mieux traverser le deuil est un porte-parole pour intégrer complètement le sujet du deuil dans les politiques de santé et de solidarité. Quel genre d'aide on peut recevoir de cette plateforme ? Vous allez pouvoir voir des vidéos faites par des thérapeutes, des professionnels, par exemple comme le psychiatre Christophe Auré, des choses qui vont vous apporter des éléments. Cette capacité est profondément ancrée dans notre être de cicatriser, accompagner cette peine pour tendre vers l'apaisement. Au travers de l'association et des gens qui y travaillent, ça m'a apporté ce réconfort. Et alors, vous avez été poussé littéralement sur le devant de la scène par cette crise sanitaire. Quand est arrivé le premier confinement, on a eu l'idée de monter une plateforme d'écoute. Tout à fait, c'est la plateforme qui a fédéré plus de 100 associations françaises d'accompagnement de la fin de vie et du deuil pour proposer un dispositif d'écoute et de soutien aux personnes en deuil, alors qui sont parfois dans une extrême solitude, une extrême souffrance. Ils sont là sur la plateforme pour animer les discussions, soit par chat, soit par audio, soit par vidéo. Des personnes formées et encadrées par des psychiatres pour écouter. Pour écouter les ennuis. Ça fait chaud au cœur. Cet outil-là permet un peu de casser le tabou qu'il y a autour de la mort. Ils ont créé des forums d'échange, des groupes d'entraide. Et une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, avec des lives tous les mois. Symphorine qui nous dit « Ma propre maman me dit n'en parle pas ». Maman, je sais bien que pour toi, ça fait du mal qu'on en parle. Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'en parler. Nous, on a une plateforme, mais il faut qu'on puisse l'amplifier pour aller plus loin et pour accompagner toujours plus les endeuillés, pour accompagner les aidants. Et que plus personne ne se retrouve seul face à cette souffrance.